Merci de choisir Kinactu Télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette session d'information à la une de l'actualité. Présentation ce vendredi 8 mars à Goma d'un échantillon de présumés traîtres à la nation, collaborateurs et complices de l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 par les porte-parole de forces armées de la République démocratique du Congo. Journée internationale des droits de la femme, la République démocratique du Congo la célèbre sous méditation en raison de la situation sécuritaire préoccupante dans l'est du pays. Une messe œcuménique a été organisée à la cathédrale du centenaire de Kinshasa. Une fois de plus, bienvenue à tous. Démarrons par cette information. L'ambassadeur d'Allemagne accrédité en République démocratique du Congo a été reçu jeudi dernier par le vice-premier ministre en charge de la défense nationale, Jean-Pierre Bemba, au toile de fond. La situation sécuritaire préoccupante dans l'est du pays pour Ingo, Herbert, le Rwanda et le M23 sont à la base de la crise sécuritaire dans l'est et cette situation est une violation de la souveraineté de la RDC. Suivez. L'aggravation de la situation à l'est du pays, j'ai saisi l'opportunité pour lui demander son opinion sur la situation, sur ce que fait le gouvernement, comment on voit les perspectives pour amélioration comme l'Allemagne. Nous sommes très engagés en ce qui concerne l'aide humanitaire, la stabilisation, aussi le développement de la région, mais on est très préoccupés de cette aggravation de la situation. Partage le souci, on voit que le M23, particulièrement au moment avec le soutien de l'armée rwandaise, est au fond de cette crise aggravée, abordée, cette situation qui est une violation de la souveraineté de la RDC. Toujours dans ces chapitres, un échantillon des 100 Congolais travaillant pour l'armée rwandaise et les rebelles du M23 a été présenté ce vendredi 8 mars devant la presse par l'armée congolaise à travers le porte-parole de forces armées de la République démocratique du Congo, le général-major Sylvain Ekenge. Parmi ses complices figurent des anciens députés provinciaux du Nord Kivu, Hop Sabini et Alio Nguera, qui seraient membres du parti politique Ensemble pour la République. Suivez. Étant un moto-taximan à leur service, et le quatrième est un conseiller expert en tourisme au gouvernement provincial du Nord Kivu, neveu de l'un des députés provinciaux et recruté par ce dernier. Tous ont été appréhendés à Goma, au Nord Kivu, et acheminés Manu Militari à Kinshasa. Il s'agit de, si je vous appelle, vous avancez. Kibuya Sabini Hope, c'est lui l'homme orchestre, c'est lui le plus grand écouteur, nous en revenons là-dessus. Venez ici, c'est l'homme orchestre du groupe. Je dis que c'est un échantillon parce qu'il y a d'autres qui sont là et qui seront présentés les moments opportuns. Il n'y a pas qu'ici, même dans d'autres services. Le deuxième qui est aussi député provincial, c'est Aliongera Alain. Il est là. Et nous allons vous les détailler par la suite. Le troisième, c'est Imani Baibika Gabriel.
Et le quatrième, c'est Mwonga Mafukulo Cyril. Le cinquième individu, originaire du Sud-Kivu, est arrêté à Goma. Lui, il sera libéré, faute de preuves. Il sera ramené dans son milieu d'origine. Toujours dans ce coin du pays, le gouverneur militaire AI du Nord-Kivu, le général Peter Chirimwami, a reçu symboliquement des mains du ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Modeste Mutsinga, l'assistante du gouvernement central constituée des médicaments, vivres et autres ustensiles en faveur des déplacés de guerre installés dans la partie ouest de la ville de Goma. Les détails dans ces reportages. Remise officielle de l'assistance humanitaire destinée aux déplacés nouvellement installés dans différents sites de la partie ouest de Goma et de Nzulo. C'est le gouverneur militaire du Nord Kivu intérimaire et le général-major Peter Chirimwami qui a symboliquement réceptionné ces dons des mains du ministre national des Affaires humanitaires, Modeste Mutsinga, ce jeudi 7 mars 2024 dans l'enceinte du gouvernorat des provinces. Cette assistance du gouvernement de la République est composée de vivres et non-vivres. La remise a été assurée en présence des membres de la délégation conjointe, parlement, gouvernement venu de Kinshasa pour la cause. Le vice-ministre de la Santé, Serge-Emmanuel Olen, reconnaît la situation précaire que traverse le Nord Kivoussien. Il pense tout de même que cette assistance du gouvernement central pourra soulager les nécessiteux. Il était important que nous arrivions ici dans cette province pour nous rendre compte ô combien les frères et sœurs de la province du Nord Kivu vivent dans une précarité extrême. Et malgré ce moment de transition, on nous a confié la mission d'apporter cette aide humanitaire que nous sommes venus humblement apporter pour soulager tant soit peu la misère qui est la leur et les assister en ce moment particulier. Au nom de ses administrés, le gouverneur Peter Chirimwami a remercié les autorités du pays. Au nom de la population du Nord Kivu et au mien propre, je remercie le président de la République pour cet engagement, mais aussi la délégation qui est venue ici pour apporter l'assistance, non seulement pour la nouvelle vague d'Nzulo, mais aussi Bushagala et Mugunga. Même son de cloche pour la députée nationale Maggie Wakabuba, qui, au nom de ses collègues, lance un message de compassion aux déplacés et promet de poursuivre des plaidoyers en leur faveur. Confusion autour du dossier projet d'accord de coopération entre la Russie et la République démocratique du Congo, dans laquelle le Moscou affirme et le gouvernement congolais dément dans un communiqué publié le jeudi 7 mars dernier, disant avoir pris connaissance de cette information au moyen de la presse. Dans un communiqué publié le jeudi 7 mars, le gouvernement de la République démocratique du Congo a tenu à porter des clarifications concernant une information qui a circulé en affirmant l'existence d'un projet d'accord entre la Russie et la RDC. En effet, les autorités congolaises ont affirmé avoir pris connaissance de cette information sur le projet d'accord militaire de la Russie avec la République démocratique du Congo que par le biais de la presse. Où l'approbation de ce 5 mars dernier du principe d'accord de coopération militaire avec la Russie. Notons que dans ses communiqués, le gouvernement congolais, notamment Kinshasa, souligne que ce projet remonte de très longtemps, entre autres de 1999, et donc des discussions sont restées au point mort. Cependant, Kinshasa souligne que présentement aucun accord de coopération militaire n'a été signé entre la Russie et la RDC. Par ailleurs, les autorités congolaises indiquent que l'approbation russe n'a ouvert pour l'instant qu'une réexamination du texte avant d'envisager d'éventuelles négociations. Pour rappel, ces projets d'accord dont il est question demeure être une démarche initiée par les deux parties, entre autres Kinshasa et la Moscou, et depuis lors, c'est un processus qui prend énormément du temps.
Changeons carrément de chapitre, l'humanité entière sous l'ébullition, la journée internationale des droits des femmes. Le 8 mars de chaque année est devenu un rendez-vous crucial pour les revendications d'égalité. Quelle est son origine et comment cette date s'est-elle fait une place dans l'agenda féministe? Tentative de réponse dans ces commentaires de Lydia Kandoli. Cette journée n'est pas, comme certains le pensent, la journée de la femme, mais bien celle de droits de femmes. L'origine de cette journée s'inscrit dans les luttes ouvrières, les nombreuses manifestations de femmes clamant le droit de vote, de meilleures conditions de travail et l'égalité entre les hommes et les femmes en Europe au début du XXe siècle. La création de cette journée internationale de droits des femmes sera proposée pour la toute première fois en 1910 lors de la conférence internationale de femmes socialistes par l'allemande Clara Zetkin, qui s'inscrit alors dans une perspective révolutionnaire avec ses compagnes féministes Vanessa Armand, Alexandra Kollontal et Rosa Luxembourg. Les femmes alors en Europe, en Amérique du Nord, n'ont jamais arrêté de se mobiliser depuis le 8 mars 1910. Alors, le 8 mars 1911, 1 million de femmes vont manifester en Europe. En 1913, les femmes russes organisent des rassemblements clandestins. En 1915, à Oslo, les femmes vont défendre leurs droits et réclamer la paix. Toujours pas de date fixée, ce n'est qu'à partir de 1917 avec la grève des ouvrières à Saint-Pétersbourg que la tradition du 8 mars se met en place. Notons qu'en 1917, qu'une marche pacifique organisée par les ouvrières clamant du pain et le retour de leur mari à front, cette manifestation sera considérée comme le début de la révolution russe. Après, en 1945, la journée pour les droits des femmes devient une tradition alors dans le monde entier. Cette date sera réinvestie par le mouvement féministe des années 70. En 1997, cette journée sera reconnue officiellement par les Nations Unies et elle le sera ensuite en France en 1982. Rappelons que, au niveau international pour la célébration le vendredi 8 mars de cette année, le thème retenu est « Investir en faveur de femmes, accélérer les rythmes et au niveau national, accroître les ressources nécessaires en faveur de femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire. » Dans le même ordre d'idées, en République démocratique du Congo, cette journée est célébrée sous un accent particulier. Une messe œcuménique a été organisée à la cathédrale du centenaire protestant de Kinshasa, où les femmes étaient habillées en noir pour exprimer leur solidarité aux femmes de l'Est qui subissent des exactions de rebelles du M23. Sur ce, le ministre de Genre, Famille et Enfants, Mireille Massangou, a aussi adressé un message dans le cadre de la journée du 8 mars. Sachez que le secrétaire des Nations Unies, Antonio Guterres, a dans un article publié à l'occasion de la 114e journée des femmes rappelé que trois conditions s'imposaient pour garantir l'investissement nécessaire en faveur des femmes et des filles. Investir dans la femme, accélérer les rythmes et les thèmes retenus à l'occasion de la journée des droits des femmes célébrée le 8 mars de chaque année. Mais comment s'y prendre? Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a rappelé trois axes essentiels pour garantir l'investissement nécessaire en faveur de femmes et des filles. Pour lui, la première condition consiste à accroître les finances abordables et à long terme pour le développement durable et l'action climatique avant de s'attaquer à la crise de la dette qui étrangle de nombreuses économies en développement. Le secrétaire général des Nations Unies pense que les pays doivent ensuite donner la priorité à l'égalité en faveur de femmes et des filles, tout en sachant que l'égalité n'est pas une simple question de droit, mais les fondements même de la société pacifique et prospère. Comme troisième condition, il a souligné la nécessité d'augmenter le nombre de femmes qui occupent des postes de direction. Les femmes au pouvoir peuvent contribuer à stimuler les investissements dans les mesures et des programmes qui répondent aux besoins des femmes et des filles. Il s'est particulièrement dit fier du fait de constater que depuis son mandat et pour la toute première fois dans l'histoire, on ne compte un nombre égal de femmes et d'hommes parmi les hauts responsables de l'ensemble du système des Nations Unies. Selon Denise Kupakabongo, présidente de la fondation qui porte son nom, la dignité de la femme congolaise n'est pas respectée et les hommes sont loin d'accompagner la femme et que toutes les femmes violées dans la partie est du pays sont victimes de la guerre nous est imposée par le Rwanda. Regardez. J'ai dit vraiment non et non.
la dignité de la femme congolaise n'est pas respectée. Parce que si la dignité de la femme congolaise était respectée, on allait voir l'exemple à l'Assemblée nationale. On allait voir des exemples dans des grandes institutions ou à la tête aussi de certains ministères. On allait voir des grandes femmes. Mais la femme n'est pas représentée valablement. La femme n'est pas représentée. La dignité de la femme n'est pas respectée. Même la voix de la femme n'est pas respectée. Dans notre pays, mais certains pays, oui, c'est respecté, mais chez nous, c'est pas respecté. Aujourd'hui, on se retrouve avec une guerre. Et je le dis encore, je le répète. Une guerre qui nous a été imposée. Et toutes les femmes là, qui sont en train de pleurer, les enfants, les jeunes filles, ils sont là juste à leur triste sort. Ils vont même pas à l'école. Ils n'étudient pas. Ils ne travaillent pas. Dis-moi, comment la dignité de la femme doit être respectée? C'est regrettable dans notre pays, c'est regrettable de voir que quand il y a des postes de responsabilité, c'est les hommes toujours qui se pointent. C'est toujours les hommes. Il n'y a pas de femmes. Je pense que les femmes n'est pas au chef de l'État. Le problème est l'entourage du chef de l'État. Autre chose, la société minière du Kivu dans les territoires des Rutshuru qui se trouve dans la localité des Loueché est passée aux mains de rebelles du M23 malgré la calmie relative observée depuis la matinée de cette journée du 8 mars sur la majorité des lignes de combat dont la chefferie des Buito où la veille le M23 ont occupé plusieurs d'autres localités. Corinne Kadoul. Le rebelle du M23 RDF de Paul Kagame ont récupéré d'autres localités qui leur ont facilité d'atteindre la société minière du Kivu, sommet Kivu en sigle. En effet, la veille de la journée du 8 mars 2024, d'autres localités et chefferies sont passées sous contrôle du M23 dans les territoires de Rutshuru en province du Nord Kivu, précisément dans la chefferie de Loueché, qui détient la permis d'exploitation de cette société minière. Cependant, une accalmie systématique a été observée dans la matinée de cette journée du 8 mars sur presque toutes les lignes de combat, notamment dans la chefferie de Buito. Notons que c'était lors de rudes affrontements avec le FARDC, renforcé par les combattants locaux de compatriotes dits les Wazalendo, qui ont traversé plusieurs secteurs en passant par Tchassenda vers les postes de Kaboso, afin de se rendre à Ruindi et Kabanyonga pour atterrir à Kirumba. Par ailleurs, le M23 RDF ont aussi récupéré les localités de Kikuku, Lamine Somikivu et Kibirizi. Selon une source locale, sur 7 villages que compte le groupement des Mutanda, 5 sont déjà occupés par le rebelle du mouvement du 23 mars et leurs alliés de l'armée rwandaise. Cette même source indique que plusieurs pertes matérielles ont été enregistrées à Kibirizi où il y a eu des démolitions de portes de boutiques ainsi que des habitations où se trouve la population et leurs biens qui se font piller par ces terroristes du M23. En sport, au niveau national, l'association sportive Vita Club et le football club Les Aigles du Congo sont sommés de payer une amende de 7 500 $ américains pour les incidents survenus au coup des sifflets finaux du match qui les a opposés le dimanche 3 mars au stade des Martyrs. Une décision de la LINAFOOT dont les clubs concernés sont invités à régler leurs comptes avant de disputer leur deuxième rencontre du play-off. Espoir qu'il en veut dit pour le détail. Qui aime bien châtie bien, dit-on, 7 500 $ américains et le montant de l'amende que devra payer le football club Les Aigles du Congo et l'association sportive Vita Club. Telle est la décision de la LINAFOOT à ces deux clubs de la capitale après les enquêtes sur les incidents survenus lors du match numéro 4 du play-off le 3 mars dernier au stade des Martyrs de la Pentecôte.
mécontent d'attendre les insultes des stadiers de l'équipe vert et noir de Kinshasa au président des samouraïs, chose à la base d'une intercation entre les agents de sécurité des vert clubs et les stadiers des aigles du Congo après le match. À cet effet, la commission de gestion de la Ligue nationale de football a, au cours d'une réunion extraordinaire tenue le 4 mars dernier, statué sur ces dossiers pour enfin donner son verdict de fait. Notamment la suspension des deux clubs jusqu'au paiement du montant de la condamnation, la perte de quote-part des recettes de ces matchs. Eux, étant récidivistes, les supporters comme stadiers de Vita ne participeront pas à la prochaine rencontre et en cas de mauvais comportement persistant, le match des deux clubs seront délocalisés dans une autre ville du pays et les frais seront en charge du club. Ces restrictions sont de même pour les clubs chers à Vidié-Chimanga qui accueillent les Saint-Éloi Lupopo ce samedi 9 mars au stade de Martyrs de la Pentecôte en match de la deuxième journée de l'Inafoot Play-Off. Toujours en football, ce week-end, à travers l'ensemble du territoire national, quatre affiches sont prévues pour le compte de la deuxième journée du play-off de la Linafoot. Mazembe l'unique victorieux de la première journée domine les classements provisoires avec 5 points. Suivez ces condensés réalisés par votre rédaction. Après son entrée avec succès, le mercredi dernier à domicile, le tout-puissant Mazembe respire l'air de la ville de Goma depuis le matin de ce vendredi 8 mars. Dans la perspective des joueurs Dauphin Noir le dimanche prochain, en match comptant pour la deuxième journée du play-off. Dans l'avion, une délégation de 35 personnes, dont 21 joueurs sélectionnés par Lamine Ndiaye. Les corbeaux de Lubumbashi sont logés à Cap Kivu Hotel. Par contre, les poulains du coach Gilou Sadissou sont prêts à recevoir les corbeaux de Lubumbashi au stade de l'Unité le 10 mars prochain et promet de faire un bon résultat comme en 2021. Par ailleurs, les cheminots du Saint-Éloi Lupopo disputeront la rencontre de la deuxième journée le samedi face aux Aigles du Congo au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa à 15h30. Arrivé le jeudi dernier dans la capitale congolaise, l'international gabonais Junior Bayano promet un bon résultat. Comme je l'ai dit, on se prépare histoire de donner de meilleurs résultats. Le match nul a été un faux pas. On va essayer de se battre pour donner satisfaction au prochain match. Je me sens bien, je me suis donné assez de moyens pour pouvoir revenir un peu à presque le meilleur de ma forme. Donc on va essayer de se battre, comme je l'ai dit tantôt, pour donner satisfaction au prochain match parce que le match précédent a été un faux pas. C'était pas facile, mais bon, c'est arrivé, on va se relever. Comme toujours, de nous soutenir, on va donner le meilleur de nous, on va se battre parce qu'on sait qu'ils ont souvent été avec nous et ils seront toujours avec nous, tout comme nous serons toujours avec eux. De son côté, les Aigles du Congo restent plus déterminés que jamais pour faire un bon résultat, plein de spectacles avec succès. Et les kamikazes de Lubumbashi Sport accorderont leur hospitalité aux Moscovites de Kinshasa ce même week-end au cours de 15h au stade tout-puissant Mazembe. Notons que le classement provisoire reste dominé par les protégés de Moïse Katumbi Chapwe avec 5 points, suivi de Maniema Union, Saint-Éloi Lupopo, Vert Club de Kinshasa, Don Bosco, les Aigles du Congo avec chacun un point. Dauphin Noir et Lubumbashi Sport sont au bas de l'échelle avec 0 point après leur défaite en première journée. Le Valeur Nutritive, à présent, découvrons ensemble le bienfait de la mangue à travers ce commentaire. Fumée et juteuse, la mangue est un fruit exotique gourmand qui a des vraies vertus santé. Elle est notamment riche en antioxydants, en fibres et en vitamine C, en jus, en salade, en plat principal, en dessert, la mangue se plie à toutes nos envies culinaires. Elle est aussi très intéressante pour la santé grâce aux nombreux nutriments qu'elle contient. Elle fait partie des aliments anti-fatigue. La mangue aide à réduire la fatigue et renforce le système immunitaire. Elle participe à la prévention contre le cancer. La mangue est riche en polyphénols, des substances antioxydantes
qui protège les cellules du corps contre le dommage causé par les radicaux libres et diminue la croissance des cellules cancéreuses, notamment dans le cancer de la prostate. La mangue contient de fibres digestes dont la pectine. Ces substances permettent de réduire le taux de mauvais cholestérol et il ne faut pas oublier la présence de potassium qui favorise le contrôle du rythme cardiaque et le maintien d'une pression artérielle normale. Ces fibres solubles limitent la constipation. Elles renferment aussi des enzymes digestives qui favorisent la digestion. Retenons que la mangue se conserve dans un endroit frais au-dessus de 6 degrés Celsius, donc pas au frigo et pas plus de 2 à 3 jours, car elle s'abîme vite. Bouclons par le bulletin météorologique. Sachez qu'il va pleuvoir ce samedi et la température dans la capitale congolaise sera de 23 degrés Celsius, dominée par une ressentie plus chaude, soit 25 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours de 1 km par heure, mais à l'après-midi, la température atteindra le 32 degrés Celsius avec une température ressentie plus chaude des 36 degrés Celsius. Enfin, il y aura des nuages légers dans la soirée et des multiples éclaircies. La température retombera vers 28 degrés Celsius, marqué par une température plus chaude des 32 degrés Celsius. Ce journal touche à sa fin, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Présentation ce vendredi 8 mars à Goma d'un échantillon des présumés traîtres à la nation, collaborateurs et complices de l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 par les porte-parole de forces armées de la République démocratique du Congo. Journée internationale des droits de la femme, la République démocratique du Congo la célèbre sous méditation en raison de la situation sécuritaire préoccupante dans l'est du pays. Une messe œcuménique a été organisée à la cathédrale du centenaire de Kinshasa. Merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur Kinactu Télévision. Je vous retrouve prochainement. Et surtout, une bonne fête de droits de la femme à toutes les mamans de la République démocratique du Congo, plus particulièrement à celles de l'Est. Nous sommes de cœur avec vous. Au revoir.